ce temps là, ça... Bah moi j'irais bien au Maroc là, parce qu'avec le temps ah, c'est pas mal, chaleur, ça me ferait vraiment du bien là. En hiver ici, au Maroc il fait bon ouais. Ouais il fait bon là en ce moment là. Okay. Bah on emmène quelqu'un, tu connaîtrais pas, genre une blogueuse, voyage au féminin, ben, qui va au Maroc. Super bien, parce que là j'étais justement sur mon téléphone et j'ai trouvé une fille qui s'appelle Jenny, JD Road Trip. Ouais Jenny. Et ouais. Elle connaît pas mal le Maroc. Cool. Ouais, moi je pense que je vais l'appeler là, je vais voir si elle est dispo là. Allô. Jenny. Oui. Ouais, salut, c'est Laurent d'Ecofloc. Salut. En fait, on aimerait bien partir au Maroc là. Ouais. Changer un peu les idées. Et j'ai vu que tu connaissais bien le Maroc. Ça ouais. te dirait de faire une petite escapade avec nous? Ouais, carrément, allez, venez. Cool, t'es déjà là? Bah ouais. Alors moi je m'appelle Jenny et je tiens le blog JD Road Trip que j'ai créé il y a 6 ans à la fin de mes études pour mon premier voyage. D'accord, j'ai vu que tu es un peu centré sur le voyage au féminin. Pourquoi le voyage au féminin? Je voyageais toute seule et du coup je recevais pas mal de questions de nana sur le voyage en tant que femme seule. Et du coup j'ai voulu faire des articles un peu conseils pratiques sur moi et ma façon de voyager et tout ce que je pouvais utiliser autour de ça et pouvoir les renseigner un maximum en tant que femme qui voyage. Cool. Mais là j'ai besoin de conseils pas en tant que femme qui voyage mais en tant qu'homme qui va au Maroc. Est-ce que tu peux me donner des petits coups de cœur? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble là au Maroc? Où est-ce que tu vas nous emmener au Maroc? Marrakech c'est quand même le lieu à voir parce que voilà la place Gemma El Fna avec les serpents, les singes, il faut voir, c'est à voir, c'est quelque chose à voir. Ensuite il y a Essaouira, donc Essaouira c'est en bord de mer, il faut absolument aussi y aller, il faut y aller très tôt le matin et on voit les pêcheurs qui reviennent. Et tu manges le poisson qu'ils ont pêché après? Ouais, parce que du coup, tu as vraiment un restaurant pour le coup et les poissons viennent du matin, donc c'est vraiment très frais. Bien, ouais. Et ensuite, je pense qu'il faut aller aux portes du désert, il faut aller vers Merzouga et là, il faut passer une nuit dans le désert, prendre dromadaire, tout ça et aller dormir à la belle étoile. Ouais, à la belle étoile. Et voilà, et manger un bon tagine sous les tentes et tout, c'est grave sympa. Mais après, il y a un itinéraire, tout ça. Enfin, on peut faire un itinéraire en partant de Marrakech pour aller justement vers Merzouga, où il y a la vallée des roses, les gorges de Todra, les gorges d'Hadès. C'est un bon pays, les gens sont gentils. Justement, tu m'as donné envie de boire un petit thé à la menthe, là. Ouais. Là où on va, là, il y a moyen de boire un petit thé à la menthe. Ah, il y a moyen de boire un petit thé à la menthe avec des petites pâtisseries marocaines, là. Il y a moyen de se mettre bien. J'ai hâte qu'on arrive, là. Grave. C'est encore loin, Flo? Ah, il reste encore 3000 km. Ah ouais. Ben, 3000 km, c'est bon, là. Ouais, c'est bon. Ça y est. On est arrivé au Maroc. C'est dépaysement garanti, là. Merci. On prend un petit. Ouais, un petit thé à la menthe là. Oh, salut les coflocs. Salut. Tu nous reconnais? Bah oui, je travaille chez Nomade Aventure. Bah, c'est toi avec nous là. Allez, prends une chaise, viens t'asseoir avec nous. Après, on va partir sur les routes avec Jenny. Et on aimerait rajouter un petit truc original. T'as quelque chose de conseiller de cool à faire ici? Le plus original que je viens de sortir, c'est le voyage en mobylette. Parce que c'est le moyen local, le transport local, où vous êtes avec les populations, vous déplacez avec eux comme eux. Ça, c'est super. Ah, c'est l'air top ça. Et les routes, ça va, c'est nickel, c'est pas trop compliqué. C'est au sud de Marrakech, vers le Toubkal, c'est des petits chemins, des petites routes, safe, il n'y a rien à craindre. De village en village, de lac en lac, de petits bosquets. Eux, ils veulent aller faire un trek au Toubkal. Moi, en tant que femme, tu me proposerais quoi de faire Qu'est-ce que tu pourrais me proposer à faire? Eh bien, j'ai un truc adapté, un voyage adapté aux filles. D'accord. Qui est la rando à même à Essaouira, C'est un voyage qui est aller la randonnée, le plaisir de la randonnée avec les soins le soir, la même, le gommage, la totale. Et entre filles. Que les filles. Ah, c'est top ça. Voir les gars, vous venez souvent ici? Au Maroc. Qu'est-ce que vous arrive? On est à la mosquée de Paris. Hein? Oh non! Alors, les coflocs, c'est le thé à la menthe qui vous monte à la tête ou quoi?